Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans un cadre qui n'est pas pareil que d'habitude puisque je me trouve actuellement au Tokyo Disneyland Hotel. Alors je vous explique tout de suite, il n'y aura pas de vlog pour ce cinquième jour pour la simple et bonne raison que j'ai accumulé les galères et que je me sens pas trop en état de faire une vidéo de la journée. Mais il y avait quand même une vidéo qu'il fallait que je vous fasse puisque aujourd'hui je réalise un rêve d'enfant et je vais dormir au Tokyo Disneyland Hotel pour la nuit. Et je voulais du coup vous parler de cette expérience. Donc là je suis actuellement dans le hall de l'hôtel qui est accessible à tout le monde. Et la première chose que je dois vous dire, c'est comment est-ce que j'ai fait pour réserver tout ça, puisque c'est quand même important de le savoir. Donc le Tokyo Disneyland Hotel est pas si facile d'accès que ça pour les personnes qui ne vivent pas au Japon, pour la simple et bonne raison que la carte bleue ne passe pas. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par un intermédiaire japonais. Je suis passée par une personnelle chauffeuse dont je ne dirai pas le nom puisque je ne suis pas sûre qu'elle veuille qu'il y ait tout un tas de français qui la contactent pour ça. Mais c'est très compliqué si vous n'avez pas d'intermédiaire japonais. Ce que j'ai du coup, c'est qu'elle a payé l'acompte et qu'ensuite moi j'ai réglé directement derrière à la caisse le premier jour avant d'arriver. Donc deux informations à ce sujet. La première, c'est que au départ je voulais régler dès le premier jour où je suis arrivée. Il faut savoir que si vous réglez avant votre jour de check-in, vous devez régler en cash uniquement. C'est important de le savoir puisque vous n'avez pas forcément du cash sur vous, sachant qu'il n'y a pas de distributeur à l'intérieur des parcs, donc il faut vous déplacer un peu plus. Deuxième chose à savoir donc, et je pense que c'est une question que vous allez forcément me poser, le tarif. Tokyo Disneyland et les Disneyland Hotel de façon générale étant des hôtels de luxe, ça coûte très cher. Donc moi c'était pour mon anniversaire, mes proches ont largement participé à tout ça. Moi ma chambre j'en ai eu pour un peu plus de 600 euros, ce qui est excessivement cher. Mais il y a deux raisons à ça. La première, c'est que si je suis venue précisément dans cet hôtel plutôt qu'un autre, et ce qui m'a fait craquer, c'est le fait qu'il y a des suites thématisées. Donc moi j'en ai pris une sur le thème de la Belle et la Bête qui est absolument magnifique. Vous avez différents thèmes, donc vous avez également les personnages un peu classiques, Mickey, Donald et ses amis, vous avez Alice au Pays des Merveilles, vous avez Fée Clochette, avec laquelle j'ai beaucoup hésité d'ailleurs, Cendrillon. Et la Belle et la Bête est l'une des plus chères, hein, sinon c'est pas drôle. Autre information, si jamais vous n'avez pas de date précise pour aller à l'hôtel, que vous voulez tenter cette expérience malgré tout, je vous conseille de ne pas prendre le vendredi et les week-ends. Pourquoi? Parce qu'en fait les chambres, le tarif varie en fonction des jours, donc c'est quand même très très important de le savoir. Donc moi j'ai payé presque 100 à 150 euros de plus parce que j'ai pris le vendredi, juste parce que j'étais mal préparée en fait. Si je l'avais su, j'aurais fait ça complètement différemment. Donc sachez-le, le prix des chambres peut être énormément variable en fonction de la période que vous choisissez. Être dans un hôtel Disney, et principalement le Tokyo Disneyland Hotel, ça comporte malgré tout certains avantages. Le premier, c'est de pouvoir avoir un accès illimité au monorail, mais vous pouvez également avoir ça avec les hôtels partenaires. Il y a d'autres petits avantages que je ne connais pas, donc que je vous liste juste ici puisque je n'en profite pas. Moi j'ai décidé de prendre ma dernière nuit d'hôtel ce jour-là, et en fait demain je n'ai pas de journée au parc Disney, ce qui est un peu bête parce qu'en fait vous avez énormément d'avantages par rapport au parc Disney et je ne vais pas pouvoir en bénéficier. Donc sachez-le, sachant que les japonais ne sont pas très flexibles en fait, c'est-à-dire que si vous leur expliquez que vous partez demain, ils vont pas vous donner les avantages pour le jour même, bah vous dites juste bye bye à vos avantages. Ce que je vous propose à présent, c'est de faire un petit hôtel tour pour reprendre le terme de ma copine Maureen, juste vous montrer l'intérieur de l'hôtel et après je vous emmènerai dans la chambre avec moi. La Pixie Army, même si vous n'allez pas à l'hôtel Disney, je vous conseille vivement d'aller dans cette boutique qui s'appelle Looking Glass Gift et qui est à l'entrée.
et qui est à l'entrée du Tokyo Disneyland Hotel. Il y a pas mal d'items que j'ai vu nulle part et qui coûtent pas très cher, surtout au niveau de la bouffe, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Bon, ma Pixie Army, je suis dans le couloir pour aller dans ma chambre. Je suis en train de réaliser un vrai rêve de gosse. Du coup, ça me fait tout bizarre. Sachez-le. Et je vais essayer de vous vlogger ça en direct. Et je suis en train de me rendre compte que je ne vais pas dans le bon sens. Je vais dans l'autre sens. Je viens de passer devant ma chambre. Voilà, on y est. Donc, je suis devant la chambre 1502. Il faut savoir que ça a toujours été un rêve de faire un Disneyland Hotel. Et le fait de voir qu'il y en avait un à Tokyo Disneyland avec des suites Disney, c'est vrai que c'était l'occasion de craquer. Bon, allez, je vous emmène, je découvre ça en même temps que vous. Hein. J'ose pas ouvrir. Oh là là. J'ai envie de pleurer, la Pixie Army. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh là là. Mais c'est énorme, tout ça pour moi. Enfin, c'est la taille de mon appartement en fait. Oh, oh mon Dieu. Bon, là vous avez aimé les valises qui m'attendent. Oh là 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 là. Bon, on va explorer ça ensemble. Bon, donc là, la Pixie Army, je me trouve dans le couloir et je suis toute émue. C'est une chambre de malade. C'est l'appartement que je rêve d'avoir en fait. Donc je vous emmène avec moi. On y va, c'est ouf. Donc tout d'abord, quand on rentre dans l'entrée, on a ceci qui est juste une merveille vivante, hein. Ça, c'est le pouf de mes rêves, sachez-le. Donc en fait, c'est une magnifique commode, une coiffeuse. Sublime, sublime. Vraiment ambiance, ambiance bibliothèque de la belle et la bête. Tout le papier peint est comme ça en fait. Et au sol, vous avez du coup ces motifs en forme de rose. Donc là, on arrive dans la salle de bain que j'ai pas encore visitée. J'ai pas les mots, hein, sachez-le. Donc ça, ce sont tous les trucs que je vais ramener chez moi, c'est une évidence. Vous avez les serviettes estampillées Tokyo Disneyland Hotel. Je sais pas si vous allez voir les motifs du papier peint et l'eau. Et en fait, le truc le plus ouf, je sais pas si vous voyez, mais... Oh là là, donc ça en fait c'est le vitrail de la porte. Donc soit c'est les toilettes, soit c'est la douche. On va voir. Ouais, donc là c'est les toilettes. Bon, rien de fifou, hein. Et du coup, juste en face, vous avez cet autre vitrail sur la Belle et la Bête. Et voilà, donc quand on rentre, on a cette immense baignoire. Ok, donc là vous le voyez pas à la caméra, mais en fait il y a la rose de la Belle et la Bête. Sublimissime, sublimissime, j'ai pas d'autres mots. Oh, c'est trop beau. Donc là, on est dans le couloir et on a cet immense placard sur le thème, là encore, de la Belle et la Bête. Plus discret, mais j'adore ce papier peint, j'adore. N'hésitez pas à le commercialiser, les gars. Le niveau de détail est magnifique. Donc là, c'est l'espace kitchenette. J'ai l'impression d'être dans l'ambiance de Be Our Guest, vous savez. Et donc là, on passe à cette merveille, en fait. J'ai pas les mots. Cette merveille, voilà.
Donc là vous retrouvez la rose qui est de l'autre côté, donc qui communique avec la salle de bain. Ce magnifique papier peint. Tableau, c'est décoré avec tellement de goût, c'est impressionnant. Le canapé, une énorme table. Mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet espace? Je pourrais vous inviter tous la Pixie Army là. Donc là, c'est un meuble télé. Là, il y a une table. Et donc là, comme je vous le disais, il y a trois lits. Il n'y avait pas plus petit. Hein. Mais donc en fait, j'aurais largement pu diviser ça en 3, 6 personnes. Et alors le niveau de détail. Mais le niveau de détail, on en parle les gars ou pas? Oh, j'ai envie de tout ramener chez moi. C'est trop beau. Bon bah voilà, ma Pixie Army, la chose que je peux vous dire c'est que cette chambre est magnifique, vraiment incroyable. Elle dépasse mes espérances les plus folles honnêtement, elle est immense, c'est beaucoup trop grand pour moi tout seul. Comme vous le savez, je suis pas très coutumière des hôtels de luxe, tout ça, je suis toujours dans les hôtels les moins chers. Là c'était pour mon anniversaire, donc il y a mes proches qui ont contribué et puis bah c'est vrai que c'était quand même une suite Disney quoi et pas des moindres. Alors j'aurais beaucoup aimé faire la fée clochette aussi, mais j'avais l'impression qu'elle faisait plus bâclée pour le prix qu'elle coûtait. Là c'est un enchantement quoi et je regrette pas. Donc dernière petite information que je peux vous donner à chaud comme ça, sachez que le check-in, enfin vous pouvez avoir votre chambre à partir de 4h30 du soir, il n'y a pas de petit déjeuner à l'intérieur, donc voilà c'est quand même important de le savoir je pense. Et cette chambre est située au premier étage, donc on est vraiment au rez-de-chaussée en fait. Mais bon, ça me dérange pas, hein. Je vais pas me plaindre. Enfin bon, voilà ma Pixie Army pour cette vidéo un petit peu spéciale. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est assez dingue pour moi de faire une vidéo de ce style-là, mais c'était quand même important pour moi de vous le faire et de vous partager ça. Parce que pour le coup, c'est vraiment un truc que je peux cocher dans ma bucket list Disney. Je ferai pas ça tous les jours, hein. Et surtout si j'avais su à quel point le voyage serait compliqué et me coûterait cher en imprévu, je l'aurais sûrement pas fait. Mais au final je regrette pas, donc j'ai profité de cette chambre jusqu'à la dernière minute. Et sur ce ma Pixie Army, je vous fais plein d'énormes bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter pour me dire ce que vous en pensez, si vous seriez prêt à aller dans une chambre Disney. Et si oui, quelle serait la thématisation qui vous plairait. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, je vous aime. Bisous, bisous, bisous et bonne nuit.